En fait, ce qui est fou, c'est que mon nombre de cartes, il augmente inversement proportionnel au nombre d'argent sur mon compte. Ça, je trouve ça exceptionnel. Allez, let's go. Je refais un petit coup de Mewtwo, parce qu'il me faut les gardes-brevoirs, là. Kokia. Spectrum. Canartichaud. Doduo. Aquali, je l'avais pas. Pour 3 mana, tu mets 60, tu te heal de 30. Ok. Litox. Elle est jolie. Ah merde, elle était jolie, j'ai même pas vu. C'est une spéciale ? Crustabri. Deux paquets qui vont être balèzes, ah ouais, comment tu le sais? Crustabri, Krabi, Liputu, Scolossandre, Krakos, Smogo, Mimitos, 60-20, truc de base. Pas l'image. Aquali. Ah, j'en ai deux, au moins. Ouais, mais la carte est jolie, ouais. Liputu, Krakos, Frissonille, Kikli, Scalproix, Tritox. Ah non, ça aurait été beau, 3 Tritox. Arbok, Kokias, Smogogo, c'est mon troisième, ça sert à rien. Nul. Le gars très exigeant. C'est mon troisième, ça m'intéresse pas. Malamandre, Aflamanoir, Sablero, Gringolem, Ectoplasmarex! J'attends l'animation, il n'y en a jamais. Ectoplasmarex! Amélioration de Spectrum. 170. Talent. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, votre adversaire ne peut pas jouer de carte supporter de sa main. Mais c'est énorme comme effet. Mais c'est totalement dingue comme effet. Pour 3 mana, tu mets 100 dégâts. Mais ça bloque tout. C'est full art là, on est d'accord, hein. Ex full art. Et tu bloques l'adversaire. C'est une sacrée carte, hein. Ah, elle est pas méta. Mais elle est pas nulle, hein. Je pense qu'elle est pas méta, mais elle est pas nulle, hein. Waouh. Ectoplasma X. Énorme. C'est vraiment bien leur idée des X là. Ça donne vraiment envie de payer. C'est très malin. Ectoplasma X. Incroyable. Ça va avec Gardevoir. Ah bah ouais, si t'arrives à mettre des trucs dessus, tu commences à mettre des bam bam bam, des coups de sang, tu bloques et tout. Oh waouh, c'est vraiment cool, hein. C'est à la fois agressif en... Parce que pour 300, c'est beaucoup. Surtout que c'est pas RNG, là. C'est tout le temps 100. C'est pas je lance des dés, machin. Ouais, j'aime bien quand même, hein. Je pense que c'est bien, hein. Oh, waouh ! Florizarre X. Le back-to-back! Et le back-to-back, hein! On l'a déjà vu, Florizarre, on l'avait déjà. On l'avait comme ça, hein, ou on l'avait version full art, je me souviens plus. Mais là, c'est notre deuxième Florizarre, hein, si je dis pas de bêtises. Énorme! On l'avait comme ça, ok. Donc on en a deux comme ça. Sacrée carte, ça. Hein. Sacrée carte. Confort, Rokoups, Liputu. Oh, le Dracolo! Ouais, ok. Je m'enflamme dès que j'ai un truc, je sais pas ce que c'est. Non, mais il est beau. Il est beau et vous m'avez dit qu'il était vraiment fort. Donc là, c'est la version jolie du vraiment fort. Waouh! Trop beau, hein, comme ça. Vraiment magnifique, hein. Il vole comme ça. Il est tellement beau. Très très beau, hein. Non, c'est mon deuxième, je crois. Deux ou trois.
Je crois que c'est mon deuxième. Hein. Canartichaud, Mini Draco, Bulbiza, Spectrum, Nosferalto. Aquaquack, Coconfort, Psychoquack, Moumouflon. Ah la Smogogo, mais on peut, n'en peut plus de toi, on n'en peut plus de toi Smogogo. 4 Smogogo quoi. J'adore la carte, mais faut pas déconner. Mimitos. Anchoat. C'est un allemand. Ok. Ubers and Vansons. Ok. Très bien. Mais c'est une pire image du monde ça. Ratatak Mik. Krakos. Lampérois. C'est une anguille fumée. C'est une anguille fumée. Mais il s'est paumé. T'es dans Top Chef toi normalement. Il s'est paumé le gars. Ok. Pas mal là les 10 boosters. Pas mal en vrai. Plus que pas mal. Donc là il nous reste combien en gold? On ouvre quoi là maintenant? On refait un peu de Mewtwo? Allez, on fait un dernier coup de Mewtwo. Et après, vous me dites. Bah, j'ai, en fait, j'ai pas. Après, je peux les crafter à 150, hein, les garde-voir. Mais... Tritox, Ramolos, Zébibron, Belle de Neige. Ah oui, vous m'avez dit Belle de Neige, c'est pas mal. Hein. Tu endors, ok. Merci mille. Je regarde la plupart du temps tes vidéos BG sur YouTube, ça m'aide beaucoup à progresser. Bah, merci pour ton aide, merci beaucoup, et ça me fait plaisir. Waouh! Mais je m'en fous, j'en ai déjà plein. Mais j'en ai tout le tour du ventre. Mais j'en ai déjà plein des animés comme ça. Pff, je suis tellement blasé, je regarde même pas, je suis trop blasé. Je suis Blazman en fait. Blazman, doubi 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 doubi. Regarde pas, j'ai déjà vu 1000 fois cet anime. J'ai 6h48 de jeu, je l'ai vu 100 fois déjà. J'en ai ouvert 72. Je dirais même que j'ai pas de chat en vrai. Bah j'en ai 3. Je peux vous le vendre, je peux vous le prêter. Je fais comment, je vous le prête? Non mais en vrai ça sert à quoi d'en avoir 3 là? Pas de chat du Bourg Palette. Non mais j'en ai sans déconner. Tu le brises pour un effet brillant ou autre, ok. Tu pourras trade, il n'y aura jamais des trades sur un jeu comme ça. C'est tout le modèle économique qui s'effondre s'il y a des trades. Je pense. Après, si ouais, bah je décrafterai. Hein. C'est quand même sick de décrafter un gars comme ça. Hein. Si, c'est annoncé. Ah ouais? Ok, je vais le garder alors. Il y aura une option trade ou ça me paraît bizarre. Hein. Peut-être faudra payer quand même, hein, j'imagine. Sinon. Ah non, mais je vous crois. Hein. Vous êtes sensiblement plus au courant que moi, mais. D'expérience dans les jeux numériques, les trades. C'est compliqué quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y en a jamais eu hein, dans les jeux numériques. Il n'y a jamais eu de possibilité de trade. À moins de mettre le truc payant. Vous voyez, comme sur Alter, des jeux où tu vas payer un pourcentage, machin. Ok. Bah, du coup, je vais le garder. Mais de toute façon, j'avais pas prévu de le décrafter. Or ou carnage, c'est mon deuxième comme ça. C'est incroyable. Incroyable, il est vraiment très 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 beau ce Roucarnage. Si je veux faire un deck Roucarnage, j'aurai deux beaux Roucarnages, c'est magnifique. Une par semaine de trade, tu penses? Ouais, ce sera un peu limité. Après, ils peuvent prendre un pourcentage, tu vois. Peut-être que tu dois payer pour trade, je sais pas. 1€ ou je sais pas, bref. Oh là, je suis blasé, j'en ai déjà deux comme ça, ça fait mon troisième. Je le garde pour l'échange. Mais parce que vous êtes des petits pimpers. Vous aimez bien avoir des decks tout pimp, tout beau. Je vous les changerai celui-là.
Galoppa, Spicote, Chlorobule, la Spicote. Et c'est mon troisième, j'en ai marre. Marre. Il est beau, hein, mais marre quand même. Coconfort, Crustabri, Zébibron, Tarsal et Monsieur Mime. Coquillas. Oh, ce lait. Il est beau, ce tousselet comme ça, là, qui regarde le... Est magnifique, il me donne envie de chialer. Moumouflon, Porygon... Ouais. Les Zeblitz. Scarabrut, Kikeli, Ramolos, Smogo, Nosferalto. C'est mon deuxième Nosferalto dans, avec cette image-là. Sympa. 70, 40, ok. L'image est cool. Là, il est moche, lui, tu dis ? Ouais, j'aime bien. Moi, c'est un côté un peu fun. Un peu funky. Bulbizarre. Unchwat. Unquat. Tentacruel. Gripat. Golem à stock. Poulpaf. Coconfort, Porygon, Mimitos, Danticris, Aeromite, Onctuat, Tadmorb, Doduo et Dracolos, on en a déjà 155. Incroyable. Là maintenant vous voulez quoi? Du... Putain, je commence à avoir une collection de gros fadal, hein. Du Pika ? Ok. De toute façon, je pourrais faire du Pika et du Draco. Rondoudou. Ratata. Nidoqueen, 140, 80, inflige 50 dégâts pour chaque Nidoking. Ah oui, ça on a déjà vu. Ouais. Nidoqueen et tout. Ah ouais. Attends, mais c'est... Ah non, on l'avait la level 2 en belle. Et là, c'est la même. En fait, c'est la même, mais elle est en classique, celle-là. Ok. Carapuce, Nidorina. Ah oui, Nidorina. Okay. Ah oui, c'est ça, Nidorina et Nidoqueen derrière, c'est ça, avec les bébés et tout, sympa. J'aime bien le deck, en fait j'aime bien l'idée du deck. Mais... Frissonnille, Electek, Ramolos, Léviator, on a déjà. Rondoudou, Caninos, Krakos, Magikarp et Electrode. Otaria, Moumouton, Major Bob, première fois. Attends, mais Major Bob, c'est dans Street Fighter, là? C'est Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter ? Déplacez toutes les énergies de vos, électriques de vos Pokémon de banc vers Raichu, Electrode ou Electek sur le poste. Non mais c'est vraiment, c'est Jean-Claude Van Damme dans... Gwil, c'est ça ? Vraiment, la même veste, la même, le blond, la veste, les muscles et tout. C'est la même dégaine. C'est incroyable. Ça, c'est fort, non? Non, remarque. En fait, il y a un monde où tu commences par mettre une énergie sur un de tes gars qui est devant. Et en fait, cette énergie ne sera pas perdue parce que tu vas le mettre derrière avec un sort. Le sort qui dit « je viens derrière, ça coûte un de moins ». Donc, tu le mets derrière, ça coûte zéro. Et cette énergie qu'il a dessus, tu le mets sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une combo de fou. Rondoudou, Tortankex. Attends, mais j'en ai déjà pas deux. Il y a une carte que j'ai en deux. Ah non, je crois que c'était des Florizards que j'ai en deux. Et des Tortank, j'en avais qu'un. Donc là, ça me fait deux Tortankex, c'est ça?
On est d'accord, hein, j'en avais qu'un de Tortank. Hein. Je crois, de souvenir. Waouh, deux Tortank. Bah, j'ai mis deux Tortank si je veux faire le deck. Putain, c'est cool. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des decks qui n'utilisent pas de Hex ou tous les decks, pour le moment, plus ou moins forts, utilisent les Hex? Genre comme vraiment les cartes clés. Parce que finalement, les Hex, c'est les cartes compliquées à avoir. Donc, est-ce qu'il y a des decks low cost qui sont forts ou pas? Canarty, Show, Hippotramp, Frissoni, Onyx. Shaofuin. Le deck Smogo, ouais. Le deck Dracolos, ok. Il y en a plein de low cost deck. Mais viable. Ponyta, Arcanin. Ah, je l'avais pas. 130. Pour 3 mana, tu mets 100 et il s'inflige 20. Ok, bourrin. Scarabrut, Chauve-Sourire, Rondoudou, Moumouton, Danticris. Scalpion. Oh, le gros doudou ex. Il n'y a pas d'anime, ok. Gros. Oh non, mais je l'ai déjà. Mais je l'ai déjà. Oh non, c'est le gars que j'ai en 100 fois. Je l'ai 100 fois, ce gars. C'est du harcèlement, madame. Full art, ouais. Non, c'est full art, là. Non, tu l'as pas? Mais non, mais je l'avais déjà en... Si, je l'avais déjà en 3 fois. C'est une nouvelle? Non, mais c'est la même carte. C'est juste que là, c'est full art. Non, t'avais pas cette full art. C'est une 2 étoiles. Ah! Celle-là, c'est le niveau 1 et moi, j'avais le niveau 2. Attends, c'est une niveau 1 X? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Full art, mais t'as déjà la carte en 4 ou 5 fois. Ah bah c'est ça que je dis. Quand je dis j'ai déjà la carte, c'est l'effet de la carte. Pas l'image de la carte. Vous m'avez pris pour un joueur de Pokémon ou quoi, sérieux? M'en fous des images, moi. Non mais, ok. Donc en fait, je l'ai déjà, mais là j'ai juste une image différente, mais je l'ai déjà. Ok. Après, ok, je pourrais jouer celle-là ou les autres. Et quand il y aura les échanges possibles, je pourrai vous faire cracher à mort votre collection et je vous échangerai celle-là. Là, c'est une full art. Toi, t'as la carte de base, mais oui, en soi, c'est la même. Ah bah, c'est ça que je dis, c'est la même, ok. Bon, après, elle est jolie. Mais je vous la ferai cracher, celle-là, vous allez voir. Ammonita. Scalproie, Magikarp, Poissirène, Doudou V, Watapic. Chenipan, Pachmila. Ratatak, Topiqueur, Onyx. C'est tout? Tout ce que votre magie peut faire, Saruman? Ok. Bon, il reste encore 10 boosters. Bah, Dracofeu. Hein. Tu pourras pas trade les cartes une étoile et plus, comment ça? Le double est considéré qu'à partir de la troisième carte. Oui, mais là, c'est un double. Parce que j'en ai déjà, mais pas des mêmes. Ah, tu considères que... Elle reste bloquée dans ta collection. Ah, en fait, c'est... Ah ouais, mais donc, ok, c'est... Donc, à partir du moment où t'as une image différente, c'est une carte différente pour le jeu. Je fais le gars étonné, mais en fait, c'est pareil sur Marvel Snap et... Ouais, ouais, non, mais ok. Non, c'est Dracofeu. Ouais, ouais, c'est, ça doit être les mêmes. Ok. Ouais, bon. En vrai, j'ai jamais compris ce truc-là, mais... Je peux comprendre quand même, quoi. Mais c'est quel jeu où c'est ça? Non, mais je suis con, il n'y a pas de trade sur... Par contre, il y a du craft sur Dragon Ball Fusion, et sur Dragon Ball Fusion, c'est ça. Sur Dragon Ball Fusion, t'as différentes... T'as des cartes, avec des versions alt, des versions dorées, des versions qui bougent, etc. Et en fait, tu peux avoir... Une carte en 3 fois, sachant que c'est 4, c'est 4 maxi. Tu peux avoir 3, et le jeu il considère que en fait tu peux pas décraft quoi. En fait t'as 12 fois la même carte, mais t'as 4 fois
T'as 4 fois, 3 fois différents. Vous voyez ce que je veux dire? Ou 3 fois, 4 fois différents. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Mais ça, c'est dur quand même. Quand tu veux décrafter et tout, en plus avec le système de craft. Là, si c'est un système d'échange, pourquoi pas, mais enfin, ça revient au même un peu. Ah, sac de nœuds, j'ai pas vu ce que ça faisait. Ah, je le retrouverai peut-être. Alerte dorée, pourquoi? Psychoquack, Galvaran, Zebibron, Machopper, Ortide, Misterbe, Meltan, Danticrice, Ratatakmic, Morgane, je l'avais déjà. Je suis sûr d'en avoir deux. Zeblitz, Poulpaf, Schlop Sourire, Salamèche. Oh! 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 Oh. Lancer 3. Ah oui, mais je l'avais déjà! Mais je l'avais pas en joli comme ça. Je l'avais en déjà, mais là, elle est en méga jolie. Oh, waouh, j'ai deux Sulfuraex. Ça, c'est, là, c'est horrible, en fait. C'est horrible parce que... Avec 100 boosters sur le compte, plus de 100 boosters, je vais avoir plein de cartes. Je vais devoir faire des decks, là, maintenant. Sauf que quand je fais des decks, j'aurai envie de partager ça avec vous. Donc, je vais faire des decks sur YouTube. Donc, je vais proposer des decks, peut-être, sur YouTube. Peut-être la semaine prochaine. Il y a tous les gens qui jouent à Hearthstone et qui jouent à BG. En vrai, je suis pas sûr. Parce que je pense que les gens qui jouent à Hearthstone et à BG, ils vont me tomber dessus. Mais il y a un monde où quand même, ça prend tellement des ampleurs de fou ce jeu, que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Hearthstone BG qui se sont mis à ça. Donc peut-être que je vais moins prendre la foudre. Mais magnifique, hein. La carte est vraiment très très belle. Hein. La carte est vraiment très très jolie. En vrai, demain, on refait un stream Dragon Ball, un stream Pokémon et on se fait des decks de fou. Hein. Petiflore, Krakos, Piafabek, Pashmilla. Après, il nous reste des petits boosters à ouvrir à l'unité. Hein. Il nous reste un peu de gold. Boostiflore, Chlorobule, Ortide. Jolie version d'Ortide. Ok. Est-ce que les cartes comme ça existent en... Enfin, est-ce que toutes les cartes, elles existent en jolie? Bah oui, j'imagine que oui. En fait, est-ce que toutes les cartes, elles existent en full art? Parce que ça, c'est une version jolie, c'est pas une version full art. Non, pour le moment, non. D'accord, ok. Donc, il y a des cartes qui existent en version full art et d'autres cartes qui existent en version jolie. Ok. Ortide, ok. Ratata. Nœud neuf, Evoli, Machopper. Ah, une autre Ortide. Ok. T'as pas eu d'immersive? Bien sûr que si, j'en ai eu trois. J'ai eu trois immersives. J'ai eu trois fois le Mewtwo immersif. Ortide. Ok. Flamanoir, Tignon, Dracaufeu. Je sais pas si j'avais Dracaufeu. Ah bah non, nouveau, j'avais pas de Dracaufeu. Hein. C'est gros Dracaufeu. Après, c'est un gros Pokémon. Hein. Dracaufeu, ok, sympa. Moumouflone, Colossinge. Ah, oh, c'est le 10ème booster. Salamèche, Grenousse. Fenard. Ah, Fenard, on l'avait pas. Fenard. Défausser une énergie de ce Pokémon. Ah ouais, putain, ça, mais c'est bourrin ça. Oh! J'en ai déjà! Je te veux pas, toi! J'en ai déjà deux! Je m'en fous de trois, bah je vais vous échanger, mais. J'en ai déjà deux! Après, je vais jouer la jolie. Elle est moins jolie, mais elle est belle quand même. Oh, waouh. Non, j'ai pas eu un pack full gold ou full légende, non. Après, j'ai quand même bien chaté, mais j'ai pas eu ce pack-là. Ouais, Dracaufeu, il donne qu'un point à l'adversaire, c'est ça. C'est quand même une grosse carte qui donne qu'un point, tout à fait. C'est intéressant aussi.
Sur les 10 boosters, on a eu 2 ex là comme ça. Incroyable, hein. Tu veux pas de spoil? Moi ça me dérange pas, mais c'est vous aimez pas que je spoil. Moi j'avoue que j'ai le réflexe du jeu de cartes physique où tu sais, tu regardes à la fin de ton booster si t'as une carte qui va briller un peu, mais sans savoir ce que c'est, et après hop, tu regardes petit à petit. Ok, donc on va ouvrir. On ouvre quoi maintenant? Bah Mewtwo, non? On reste sur Mewtwo. Je peux pas ouvrir des boosters, hein. Par contre, je peux ouvrir un booster, un booster, un booster. Je peux faire en plusieurs fois. Bah, on fait un booster, hein. Chinchidou, Mini Draco, Fragile Lady, Galvaran, Scarabrut. Pika, c'est mieux pour toi, je pense. Ok, moi je vous fais confiance. On en a encore 24, 4. On peut encore en crafter 4. En ouvrir 4. Pika. Poulpaf, le Vénard, Moumouflon, Rondoudou, Léviator. On arrive vers la fin. C'était agréable, hein. Franchement, j'ai passé un super moment. Voltorb, Moumouton, Scalpion, Dodrio, Scolossand. Avec tout ce que t'as ouvert, t'as level up et donc gagné des sabliers de booster. Bah peut-être. Peut-être. Là, il faudra un gros Pikachu, non? Ah, Pierre, on l'avait pas passé une énergie. Caillou de votre zone d'énergie, attachez-le à Grolem ou Onyx. C'est pas mal, ça, non? Vous m'avez dit qu'il y avait que Pierre qui était pas bien, non? Parce qu'il n'y a peut-être pas de deck méta comme ça avec cette famille-là, mais... C'est pas mal. Onyx, c'est une carte quand même. Hein. Ça tape fort, Onyx. Hein. Un artichaut, Poulpaf, Carabaf. C'est simplement pas méta ni joué, ok. Ouais, mais ça peut être fort. Enfin, c'est quand même pas mal, je pense. Bon, pas méta, on est au début du jeu, ça va. Les méta, elles peuvent vite changer. Hein. Il me reste un booster, je pense. Et après, vous me dites, faut aller où pour le sablier? Nidoran, Nidoran, Carapuce, Farfaduvet, Belle de Neige. Ouais. Dans l'accueil. L'accueil, c'est là. Oh wow. Je passais de level 7 à level 15. Mais quelle est cette sorcellerie? Donc là, je peux faire tout terminer. Ah oui, là, je gagne du... Ah ouais, ouais. Ouh, c'est la régalade, là. Là, je peux pas mettre tout terminé, par contre. Ah oui, mais là, c'est pour... ça, on s'en fout. Ah oui, mais on gagne ça, faut faire attention. Ouais, d'accord, faut faire attention par rapport à Poche Miracle. Pioche Miracle de pas... Ah non, mais non, c'est... je suis à 1 là, comment ça se pose?
Tu peux piocher quand même. Attendez. C'est sablier de recharge, je peux prendre, ok. Attends, mais ça va faire ça, c'est super lent là, allez. Je suis impatient. Ah là, on obtient des decks d'emprunt, on s'en moque un peu. Là, on est des sabliers, mais on s'en moque un peu. J'ouvrirai ça plus tard. Là, on va ouvrir les boosters. On a 10 Pikachu. Hein. On peut peut-être ouvrir par 10. Ah non, on a 96. On peut pas. Ça fait 60 boosters à peu près. 60 boosters. 6-7 boosters. Oh! Une jolie Evoli. 60, 20. Très 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 belle. Hein. Et c'est joué un peu Evoli. Elle est vraiment magnifique pour le coup. Très très belle Evoli. Sublime carte. On ouvre ça et on s'arrête là, ça vous va? On ouvre les boosters qui nous restent là avec le... Et comme ça, demain, on aura encore des boosters à ouvrir. Pour commencer tranquillement le live. Pas ouf. En même temps, on a tellement eu des bombes que... Merci Vesti, hein. Merci mille fois. Scalpion gras. Ah, j'avais pas Gravalanche. Ok. Poulpaf. Elector. Je crois que c'est mon deuxième. Chrysacier, Kung Fuin, Chichindou, Danticris, je peux plus le voir ce type. Shao Fuin. Ah, j'aimerais tellement l'ouvrir votre booster god là. On connaît la probabilité de l'avoir ou pas? Pachmilla, Rhinolov, Pikachu, Zeblitz. 0,02%. Ah ouais, ok. 0,02%, oui. Tendu, quoi. Bah, il est là, quoi. 1 sur 2000 packs, ouais. Les infos de chat, c'est terrible. Ah, c'est pas une bonne info. Plus que deux. On va profiter de ces deux beaux boosters. Et demain, on se retrouvera pour du tryhard intensif. On essaiera de jouer plein de decks, vu qu'on peut faire plein de decks. On essaiera de créer, comprendre plein de decks. Ça va être intéressant. Aussi Inutile, Ratatak, Rakaïu, Hypocéan, Danticris. Attends, Danticris, quand c'est la dernière, c'est vraiment horrible, hein.
Dernier booster. Dernier booster de la journée. La dernière minute de la journée. On aura fait plus de 7 heures de Pokémon. Incroyable. Aflama Noir, Lamantine, Electek, Gringolem et Onyx. Ok. ok. Bah, c'est cool, hein, on a fait une sacrée ouverture de gros zinzins malades. Hein. Parce que là, si on regarde un peu notre collecte, et normalement, ça trie avec les raretés là à la fin, non? Il n'y a pas un pack de... Je pense qu'elles sont à la fin, toutes les cartes un peu compliquées. Ouais, toutes les vraiment les pépites. On a quand même pas mal de pépites, hein. On peut pas voir le nombre. J'en ai 3. Non, mais j'ai 3 Mewtwo X. J'ai 3 Mewtwo X. Les 3 sont, ont l'image en plus. Donc là, faut pas cliquer, hein, a priori. J'ai 3 Mewtwo X. Dracaufeu, Mewtwo, c'est incroyable. Ça, j'en ai 4, je crois. 4 comme ça. Non, mais c'est quoi cette collection de gros tarés? Le Dracaufeu est magnifique. Ah, Dracaufeu, il est exceptionnel. Hein.